journal vous est offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le titre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de la Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics de l'État ce mardi 30 novembre sur la 8e rue de la commune de Limité à Kinshasa. Et puis, une site de vaccination contre la Covid-19 a vu le jour le lundi 29 novembre à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, sur la place de Zovolué, pour permettre à la population kinoise de se faire vacciner. Enfin, 30 novembre 2013, 30 novembre 2021, cela fait exactement 8 ans depuis que Rochero Tabouley est dans l'au-delà. En sa mémoire, plusieurs activités seront organisées à Kinshasa. Voilà tout pour les sommaires, passons à présent au développement. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de Caisse nationale de la solidarité des agents publics de l'État ce mardi 30 novembre 2021 sur la 8e rue dans la commune de Limité à Kinshasa. Suivez. La Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics de l'État s'est dotée d'un nouveau siège depuis ce mardi 30 novembre 2021 sur la 8e rue dans la commune de Limité à Kinshasa. Soucieux du bien-être social de fonctionnaires de l'État, le président Félix Tshisekedi a tenu personnellement à assister à l'inauguration de ce bijou immobilier de la fonction publique. Avant la coupure du ruban symbolique, deux discours ont été prononcés, le premier par le chef de mission de la Caisse et les seconds par le Premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Après le mot de bienvenue, le numéro 1 de la fonction publique s'est réjoui de la présence du chef de l'État à cette cérémonie. À cette occasion, il a fait savoir qu'au moins 350 000 agents sont en attente de leur retraite. Notez que le nouveau siège moderne inauguré comprend un bâtiment principal de 3 étages avec 59 bureaux, une salle de réunion et un centre d'accueil VIP, une salle de gymnastique, une infirmerie, un bâtiment annexe réservé aux archives. À l'Assemblée nationale, lors d'une séance plénière du 29 novembre dernier, les députés nationaux ont déclaré favorable la proposition de la loi du député Eliezer Tambwe portant création de l'ordre de sages-femmes en République démocratique du Congo. Plus de détails avec Josué Kalamba. Les députés nationaux étaient en plénière lundi 29 novembre dans la salle de congrès du Palais du Peuple sous la conduite de l'honorable président Christophe Mbosoko Diampounga. Au cours de cette plénière, les élus ont procédé à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes, initiative de l'honorable Tambwe Pochi Charmant Eliezer. Dans sa brève communication, Christophe Mboso, speaker de la chambre basse du Parlement, a invité les élus du peuple au respect des gestes barrières contre la Covid-19 avec la survenue de la 4e vague qui semble plus dangereuse que les 3 premières. À cet effet, les appareils désinfectants sont installés dans le couloir de la salle de congrès. Dans l'exposé de motifs, le député national Tambwe Eliezer a fait savoir que la sage-femme était identifiée par l'Assemblée nationale en 2006 comme ressource humaine clé pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. La classification internationale de type de profession CTTP et de l'Organisation internationale du travail OIT, telle que revue en 2008, reconnaît la sage-femme et lui attribue le code 2222. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselineau, séjourne depuis lundi 29 novembre en Serbie sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi. Sur quoi porte cette visite? Christelle Genda nous le fait découvrir.
Arrivé la nuit du lundi 29 novembre 2021 à l'aéroport international de Belgrade, le patron de la sécurité nationale de la République démocratique du Congo, accompagné de quelques membres de son cabinet, a été accueilli par Radmila Bazivic, délégué du ministre de l'Intérieur serbe, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Serbie, Paul Emil Cinga. L'objectif ici est de réchauffer la relation multiforme entre les deux pays, particulièrement le secteur de la sécurité. Ce, après le passage en Serbie du chef de l'État congolais en octobre dernier. La visite fait suite au passage du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est passé ici en Serbie et qui a eu à entretenir et développer de très bons contacts avec son homologue. Et c'est pour cette raison qu'il m'a désigné de pouvoir venir ici faire la suite de ces contacts dont vous pourriez avoir l'essentiel après ma mission. Par ailleurs, le numéro 1 de la sécurité nationale, Daniel Asselo, a eu ce mardi 30 novembre 2021 un agenda chargé. Plusieurs rencontres avec les autorités de la Serbie ont eu lieu. Rappelez-vous que Félix Tshisekedi avait en octobre dernier eu un tête-à-tête avec son homologue Alzerbek Vučić au palais présidentiel de la Belgrade, où ils ont eu une conférence de presse conjointe. Les deux chefs d'État s'étaient engagés à renforcer le lien de coopération entre les deux pays. Arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le lundi 29 novembre 2021, de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a été accueillie dans cette province orientale du pays par les gouverneurs militaires, accompagnés de membres du comité provincial de sécurité. Sophia Zahorati. L'épouse du chef de l'État congolais a tenu un meeting populaire à la tribune officielle de la ville de Bunia le lundi 29 novembre 2021. Dans son agenda, outre ces meetings, il est également prévu des audiences avec des forces vives et les différentes couches de la population et des visites dans plusieurs lieux, notamment les sites des déplacés et les orphelinats. Sachez que l'arrivée de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, intervient dans un contexte particulier où les tueries ont repris en territoire des Djoukou, Irumu et Maagi pendant cette période de l'état de siège décrété pour deux provinces de l'est de la RDC. Autre chose dans ces journaux, l'horreur, le mensonge avance, mais la vérité, quoi qu'avançons mollo-mollo, finit par arriver et s'imposer. C'est la sagesse attirée de toute l'effervescence qui a été observée dans l'opinion après la publication de Congo Hold Up, après laquelle le détracteur de Joseph Kabila n'en jurait que par son assignation à la justice. Samy Bosongo. Tous ceux qui ont cru Joseph Kabila enfin pris dans le filet fatal, après la publication du Congo Hold Up, doivent encore trimer ou s'imposer de nouvelles élucubrations pour fabriquer des affabulations contre le père de la première alternance démocratique civilisée de la RDC. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, dans une interview accordée à Alain Foucault, journaliste d'investigation des RFI, est formel. Cette affaire n'a pas de lien avec Joseph Kabila. Quand dans ces enquêtes, on veut à tout prix aller au-delà de ce que nous disposons comme preuve. Pour nous, les 43 millions ont quitté les comptes de la Banque centrale du Congo pour la BGFI Bank. Mais pour eux, les 43 millions de dollars ont quitté les comptes de la Banque centrale du Congo pour la BGFI Bank et par la suite la société égale et avec des insinuations. Or, nous ne pouvons pas travailler avec des insinuations. Mais en toute honnêteté, est-ce que ces insinuations ne sont pas la réalité que tout le monde connaît? Est-ce que ce n'est pas allé vers l'ancien président Joseph Kabila? Je pense qu'avec les éléments à la disposition de l'inspection générale des finances, c'est faux. Je l'ai dit bien, c'est faux. Pour vous, ce n'est pas allé chez Kabila? C'est faux parce que nous ne disposons pas des éléments pour ça. Les éléments à notre possession établis que la BGFI Bank a pris l'argent de la Banque centrale du Congo et a mis dans un compte appelé Égal. Mais quand vous regardez ce compte Égal, intitulé Égal, ce compte a été ouvert
par la BGFI elle-même et ce compte est actionné par la BGFI elle-même. Donc, on a trouvé aucune trace de la société égale. Qui relie à Joseph Kabila? On a trouvé aucune trace de la manipulation de ces comptes par la société égale. Et de loin avec Joseph Kabila, de très loin. Donc, pour nous, nous devons rester avec des éléments de preuve. La BGFI a pris 43 millions. Parlons économie dans ce journal. Le premier lot de poissons chinchard est arrivé lundi au port de Matadi dans la province du Congo central. C'était en présence du gouverneur intérimaire, du maire de Matadi, d'une délégation du ministère de l'économie nationale, deux importateurs et plusieurs habitants de Matadi qui ont accueilli ce lot de poissons en liesse. Merci Mayangila. Il s'agit de plusieurs tonnes de chinchards, première livraison, dans les cadres de l'accord signé entre le gouvernement congolais et représenté par le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, et la Namibie sur les quotas de pêche. D'après les services des communications du ministère de l'économie nationale, le processus de livraison se poursuit et des efforts sont conjugués pour envahir, dans un bref délai, le marché avec différents produits surgelés. Le gouvernement active donc l'exécution rapide d'autres commandes. Entre-temps, des importateurs, appuyés par le gouvernement, s'organisent avec les réseaux de distributeurs et des modalités de vente seront bientôt fixées après concertation entre le ministère de l'économie nationale et d'autres parties prenantes à ces processus. La nouvelle est saluée par plusieurs Congolais qui devront acheter ces produits au prix juste à l'approche des festivités de fin d'année. Pour rappel, dans son accession au ministère de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma s'est engagé dans la quête des justes prix des produits et services afin d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs. D'autres produits sont donc attendus dans le tout prochain jour, confirme les cabinets du ministère de l'économie nationale. Instant coronavirus, publié le lundi 29 novembre dans le bulletin du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19, 13 nouveaux cas ont été confirmés positifs dans 6 provinces. Parmi ce cas, 6 dans la province du Haut-Katanga, 3 au sud Ubangi, 1 dans le Haut-Uele, 1 dans le Nord Kivu et 1 au sud Ubangi. Sophia Zaurati. Sur 1589 échantillons testés, 13 nouveaux cas d'infection par les COVID-19 ont été notifiés dans 6 provinces, dont 6 dans le Haut-Katanga, 3 au sud Ubangi, 1 dans le Haut-Uele, 1 à Kinshasa, la capitale, 1 au Nord Kivu et 1 au Nord Ubangi. C'est selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique du Congo, publié le lundi 29 novembre 2021 par les comités multisectoriels de la riposte en RDC. Dans ces mêmes bulletins, aucune donnée n'est disponible pour les personnes sorties guéries des centres de traitement, ni pour les nouveaux décès parmi les cas confirmés. On rappelle que, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le total des cas est de 58 318 cas, dont 58 316 et 2 cas probables. Dans l'ensemble, il y a eu 1107 décès et 51 457 personnes guéries. Parlons toujours coronavirus dans ce journal. Campagne de vaccination contre la Covid-19 en RDC. Une site de vaccination a vu le jour depuis le lundi 29 novembre 2021 dans la commune de La Gombe sur la place des Évolués pour permettre à la population de se faire vacciner. Christelle Guinda et Généreuse Essengo étaient sur place. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa. Plus précisément dans la commune de La Gombe, sur la place des Évolués, où il se réalisait une opération très délicate ce mardi 30 novembre 2021 en rapport avec la vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. L'équipe de votre rédaction est allée sur place s'enquérir de la situation et recueillir les avis des uns et des autres à ce propos. Notamment l'avis du responsable de ce site qui a donné plus de détails. Et depuis qu'on a commencé la vaccination contre Covid-19, on est à près de 3% des personnes éligibles ici dans la ville de Kinshasa qui se sont fait vacciner. Et donc, nous avons pensé, à travers Village Reach, appuyer le gouvernement congolais en installant un site de vaccination à gros volume avec toutes les conditions d'accueil
et les bonnes conditions de travail pour essayer d'attirer les gens à se faire vacciner. On contribue, comme les autres partenaires qui contribuent également dans le secteur de la santé, mais nous ici, nous sommes spécifiquement par rapport à COVID-19. Une de vacciner s'est également exprimée. Ma motivation, je me suis dit, on a été sensibilisé. À part le fait de respecter les gestes barrières, on nous dit aussi qu'il faut se faire vacciner. Parce que quand on se fait vacciner, on est épargné à développer cette forme grave de la maladie. Aujourd'hui, tu peux atteindre la COVID, mais quand tu te fais vacciner, ça va t'épargner de développer cette forme grave-là. C'était ça ma motivation de pouvoir me faire vacciner. Comme preuve, je me suis fait vacciner et j'ai ma carte de vaccination. Sachez que, concernant le vaccin contre la maladie à COVID-19 que la République démocratique du Congo dispose actuellement de plusieurs types de vaccins comme AstraZeneca Moderne, Pfizer, Johnson & Johnson, tout sûr et efficace. En outre, notez que cette opération va durer plus ou moins 3 mois pour permettre à toute la population d'y faire un tour. Retenez enfin que cette opération de vaccination a débuté le 29 novembre 2021 en présence de plusieurs autorités, notamment le ministre provincial de la Santé. Vous l'avez suivi au sommaire, mesdames et messieurs, il est et sera toujours compté parmi les grandes figures de la musique congolaise. Ce 30 novembre 2021, Pascal Emmanuel Tabulet dit Rochero totalise 8 ans dans l'au-delà. En sa mémoire, plusieurs activités seront organisées à travers la ville-province de Kinshasa. Images et commentaires. Pascal Emmanuel Sinamoi Tabou, dit Rochero, figure emblématique de la musique congolaise, totalise 8 ans dans l'au-delà. Né le 13 novembre 1940, Tabouley a tiré sa révérence le 30 novembre 2013 à Bruxelles en Belgique. Chanteur, auteur-compositeur et homme politique congolais, Tabouley Rochero a su marquer des générations par sa plume particulière et son timbre vocal hors du commun. Tabouley Rochero est certes mort physiquement, mais il vit à travers ses œuvres. Pour faire découvrir d'autres dimensions de ce grand musicien, une conférence scientifique suivie d'un point de presse seront organisées en sa mémoire la semaine prochaine à Kinshasa. Notez qu'en 2008, le seigneur Ley a été victime d'un accident vasculaire cérébral dont il ne s'est jamais remis jusqu'à sa mort en 2013. C'est le 9 décembre de la même année qu'il a été porté en terre à la nécropole de l'Otsele, à Kinshasa. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. La revue de presse de ce jour commence par le titre de l'agence congolaise de presse. Les Sénats approuvent l'interpellation du directeur général de la Régie des Eaux. Les Sénats a approuvé lundi au Palais du Peuple une interpellation du directeur général de la Régie des Eaux, entreprise en charge du traitement et de la production de l'eau potable en RDC. Son interpellation sera inscrite à l'ordre du jour des travaux de la Chambre haute du Parlement et notifiée au gouvernement, a annoncé le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au cours d'une séance plénière. Le président du Sénat a en outre annoncé qu'à partir de cette semaine, une série de séances plénières de la Chambre de Sages seront consacrées successivement à une interpellation, une question orale avec débat ainsi que l'examen et la poursuite de l'adoption de la proposition portant protection et promotion de personnes vivant avec handicap. Poursuivant avec Forum des As qui note en grand titre Patrick Muyaya, il n'y a pas de troupes ougandaises en RDC. Le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya a tenu à tordre les folles rumeurs diffusées par certains médias et abondamment relayées dans les réseaux sociaux selon lesquels les autorités gouvernementales auraient fait appel aux troupes ougandaises pour aider les FRDC à traquer les terroristes des ADF. Aux côtés du porte-parole de l'armée de la police, Patrick Muyaya a été formel, ces militaires se trouveraient présentement sur le sol congolais. Ces allégations, Patrick Muyaya les a balayées la main sur le cœur au cours du briefing organisé lundi 29 novembre avec la presse. Il n'y a pas de troupes ougandaises sur le sol congolais, a-t-il affirmé. En même temps, le ministre a fait savoir qu'aujourd'hui,
nous faisons face à une même menace. Les ADF n'ont sans rappeler que les 16 novembre courant, ces islamistes avaient frappé en pleine ville à Kampala en Ouganda. Mesdames, Messieurs, terminons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « Matata Ponyo dénonce une prison à ciel ouvert parce que empêché de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du pays ». Les sénateurs Augustin Matata Ponyo Mapon n'a toujours pas recouvré ses immunités parlementaires en dépit de la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente de les juger. Au cours d'un point de presse lundi 29 novembre à Kinshasa, l'ancien Premier ministre a dénoncé plus de 7 mois de prison à ciel ouvert dans son propre pays, puisque privé de droit de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il qualifie toutes les procédures judiciaires contre lui, notamment dans les affaires indemnisation des victimes de la zaïrianisation et Boukangalonzo, des machinations politiques contre sa personne et d'instrumentalisation du procureur général après la Cour constitutionnelle et l'inspection générale des finances. C'est par ici que j'achève cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, là c'était la revue de presse rendue par Josué Kalamba. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de la Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics de l'État ce mardi 30 novembre sur la 8e rue de la commune de Limété à Kinshasa. Et puis, une site de vaccination contre la Covid-19 a vu le jour le lundi 29 novembre à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, sur la place de Zovolué, pour permettre à la population kinoise de se faire vacciner. Enfin, 30 novembre 2013, 30 novembre 2021, cela fait exactement 8 ans depuis que Rochero Tabouley est dans l'au-delà. En sa mémoire, plusieurs activités seront organisées à Kinshasa. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.